Tu sais, tous les jours, il y a des gens qui viennent comme ça. 20, 10 le matin, 15, et jusque le soir, ce sont 20 personnes comme ça. Mais c'est nécessaire qu'il y ait un endroit où tous les pauvres peuvent venir. Hein. Ça, c'est très nécessaire. Dans notre vie, c'est froid dans la société, c'est froid. Et les hommes, ils ont besoin de chaleur un peu. Tous les matins, Ernst Zibert passe du temps avec les laissés pour compte de l'agglomération zurichoise. C'est l'occasion pour l'abbé Pierre des Suisses alémaniques d'une rencontre autour d'un café et d'un échange sur un texte biblique. Même à la retraite, le pasteur Zibert continue son travail de visite dans les différentes œuvres sociales qu'il a fondées, notamment à Sünneke, coin de soleil en français, une clinique pour malades du sida au centre de Zurich. Une clinique ouverte dans des circonstances bien particulières. C'était 1987. C'était le temps de Plattspitz et de Letten. Et on a eu beaucoup de jeunes qui étaient malades de sida. Et alors, c'était nécessaire de chercher quelque chose prochain du Plattspitz. Le Plattspitz est justement 100, 200 mètres là-bas. Il faudrait chercher quelque chose, trouver quelque chose pour prendre ces jeunes gens qui étaient malades. Alors, on a cherché. J'ai prié le bon Dieu, dis donc, tu dois m'aider, je suis tout seul. Alors, justement, un jour, c'était une famille des Juifs, Goldfarb Stiftung. Ceux-là, ils sont venus et ils ont dit, voilà, tu peux avoir un étage là. Et j'ai dit, non, il faudrait plus, il faudrait bâtir là une maison de l'esprit pour une famille. Des jeunes qui sont malades, et ceux-là, ils ont dit, alors voilà, tu peux avoir cette maison. Ernst Zibert, est-ce qu'à l'époque, vous avez demandé l'autorisation d'ouvrir cet hôpital aux autorités? Oui, justement, j'ai demandé le bon Dieu. Ça, c'est mon autorité. Et après, j'ai commencé, j'ai su que, oh, quand tu dois parler là, le temps passe et il faudrait faire ça tout de suite. Alors, non, je n'ai pas demandé. Et ça ne vous a pas posé un problème de conscience que de, finalement, pas demander les autorisations nécessaires à l'ouverture d'un hôpital? Non, je savais que ceux-là, ils ont aussi eu la foi. Alors, j'ai pensé, dans votre sens, pour cette société, pour la ville de Zurich, pour notre pays, je suis un ouvrier, je suis un pasteur, alors on dirait, je suis sûr, voilà, vas-y. Et c'était comme ça. Quand tu fais quelque chose de bon, il y a toujours des hommes, professionnels aussi, des médecins, qui disent, ah voilà, ça m'intéresse. Parce que c'était un pas dans l'avenir. Et tout le monde savait dans cette ville que comme ça, ça ira pas. Il faudrait donner une solution pour des problèmes. Alors, on va m'aider. À quelques encablures de la gare de Zurich, la clinique Sünneke accueille entre 20 et 30 patients. À ce jour, 350 personnes issues de la scène de la drogue sont décédées dans cette maison. Un rituel marque le départ de chacun.
Cher Heise. Ça, c'est un jeune homme, oui, maintenant. Il est mort, il y a maintenant 3 ou 4 jours, et tout le monde lui a connu. Alors, ce sont des camarades, ce sont des amis qui sont tristes, mais tout ensemble, ils croient que ça donne la résurrection. Alors, on porte ensemble. Ça, c'est le signe. Mais vous, quand vous voyez un jeune homme, une jeune femme décédée du sida ici, est-ce que parfois, ça ne vous rend pas déprimé? Non, non. Parce que, tu sais, pour un chrétien, je peux dire que la mort n'est pas la fin de la vie. On peut entendre dans l'âme de des hommes qui sont ici que tout le monde a un espoir profond dans le cœur, dans l'âme, il y a quelque chose comme un petit soleil. Je peux toujours remarquer ça. Et tu sais, quand je viens ici, moi-même, je reçois de la force pour pouvoir vivre. Et parce que la plupart ont la foi, c'est pas tellement triste. La Sunaïque, foi chrétienne et suivie des malades du sida ne s'exclut pas. D'ailleurs, pour Enzibert, la spiritualité contribue au mieux-être des personnes accueillies dans la quinzaine d'œuvres sociales qu'il a fondées. Toujours prêt à la rencontre d'autrui, celui que l'on surnomme parfois le génie de l'amour du prochain investit beaucoup de temps dans les relations. À Sunaïque, Vera fait l'expérience de cet accompagnement. On fait la prière ensemble. Pas seulement maintenant, partout on se rencontre. Parce que ça, c'est la différence entre l'État et des stations privées comme ça. Ici, on peut vivre la foi. Ce que nous faisons maintenant ici, la Vera, elle rit. Eh bien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux arranger que tous les jours, on peut un peu lachen. Et là, un peu rire, c'est-à-dire un petit schritt nach vorne. Un petit pas en avant. Hein? Et ça, c'est le chemin pour finir. Des chemins, Enzibert en connaît d'autres. Ces dernières années, il s'est lancé dans une réalisation magistrale, une fresque qui exprime ses convictions les plus profondes. Aujourd'hui, alors, parce que je suis tellement rempli de l'Évangile, il me faut prendre les mains, il me faut prendre de la terre, parce que le Dieu, tu sais, ça c'est très important, Dieu n'est pas seulement spirituel. La matérialité est aussi une partie de l'Évangile, comme la spiritualité. La spiritualité sans matérialité, ça ne va pas.
sais, comme paysan, j'ai beaucoup travaillé avec la terre. Et ça, c'est l'argile. L'argile. Et tu sais, tu peux travailler avec la terre comme ça. Tu sens quelque chose de la présence du bon Dieu. Tu peux former et tu peux te libérer. Pense une fois, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous ferons sans l'amour de lui? Sans cette personnalité qui a donné la vie pour tout le monde. Pour ceux qui sont malades, qui sont pauvres, il est là. Et ça, ce que je veux former, c'est déjà là. C'est lui, le Jean de baptisme. Il montre sur Jésus-Christ. Celui-là, il refuse. Il ne veut pas avoir une liaison avec celui-là. Ça, c'est trop dangereux, parce que lui, il dit aux riches, c'est pas la richesse qui fait l'âme un peu soulevée comme ça, froid, heureux. Dieu se montre avec Jésus-Christ, avec l'amour. Et l'amour de Jésus-Christ, tu vois ça? J'ai fait là, cette fille, avec le pain. C'est aujourd'hui nécessaire. Jésus-Christ nous donne le devoir d'apporter le pain pour les pauvres dans cette vie. Et justement, c'est le garçon. Ça, c'est une fille de moi, ça, c'est Martine, ça, c'est Jethro. Il apporte une poisson. Et il apporte cette poisson pour cette femme avec l'enfant et pour ceux-là qui n'ont pas des bras. Alors, ça c'est la vérité pour aujourd'hui. Et comme ça, je pense que le peuple comprend très bien. Jésus-Christ lui-même, il a dit, « J'ai eu faim et vous avez donné de la nourriture. J'étais sans habit et vous m'avez donné quelque chose pour m'habiller. J'étais dans la prison et vous êtes venu chez moi. » Alors, écoutez, il a dit, « Toutes les choses que vous avez faites au prochain, et vous avez fait ça à moi. » Tu écoutes une fois, le Jésus-Christ est présent dans notre monde avec les pauvres. Et quand nous rencontrons eux, comme ça commence la règne de Dieu ou le royaume de Dieu. Au volant de son vieux bus orange, Ernst Zieber sillonne le macadam zurichois. Mais pas seulement. Son bus, c'est aussi le moyen de s'extraire du quotidien pour des escapades qui renouvellent, dans un lieu reculé, à l'abri de la frénésie urbaine.
avec ce bus, je fais beaucoup de choses. Par exemple, en été, les chèvres viennent avec moi, parce que quand elles sont ici, elles ne peuvent pas rester seules, alors je les prends avec moi. Et elles viennent dans les salles, et comme ça. Est-ce que vous pourriez nous montrer cela à l'intérieur? Mais oui. Il y a le foin dedans, tu sais. Le foin, ça c'est bien pour les chèvres dans l'été, et en hiver, mes amis de la rue peuvent se mettre et je l'emmène. Mais vous changez le foin quand même? Mais oui. Entre temps. Mais oui, de temps en temps. Oui, de temps, mais c'est bien. Aux animaux comme aux humains, Ernst Zieber voue une attention pleine de tendresse et de respect. Son bus orange, c'est encore une caverne d'Ali Baba qui abrite de nombreux objets symboliques, particulièrement évocateurs lors de ses interventions publiques. Que ce soit dans les œuvres sociales qu'il a fondées, ou alors dans les manifestations où on l'invite. Tu sais, ça c'est le principe de notre travail, je dois parler de ça. Je peux dire une chaîne est seulement aussi fort que le membre plus faible. Que le maillon le plus faible. Oui. Alors on comprend ça tout de suite. Et tu sais, c'est l'apôtre Paulus qui a dit, alors le bon Dieu a rassemblé les membres comme ça, et le plus faible est le plus important. Ça c'est pour la politique sociale dans notre pays, partout, ça c'est très important. Et pour la paroisse surtout, parce que la paroisse a le devoir, Jésus a toujours parlé de ça, de prendre tous ceux qui souffrent au milieu. C'est ça ou ça? Tu sais, partout dans ce monde, on dit il faut être une communauté, c'est uno, c'est et ou partout on dit il faut qu'on se réunit, que les pays qui sont forts avec l'économie, ils doivent s'engager aux pauvres de l'Afrique, par exemple. Partout on parle, mais pas comme ça, tu sais, pas comme ça. Alors, c'est un Heiligenschein. Mais, écoute, quand tu as un roux, tu fais ça comme ça, écoute voir. Il faut un croix. Voilà, comme ça. Tu vois? Alors, le roux peut porter comme ça, et encore plus. Les membres, tu peux mettre là-dedans comme ça. Justement, ce sont ceux, peut-être tes ennemis aussi, il appartient là au roux. C'est ça. Alors ça roule. Finalement, Ernst Zieber, quand on vous voit avec tout cela, l'humour fait aussi partie de votre spiritualité. Mais oui, c'est très très important. Tu vois comme ça? C'est comme un tableau comme ça. Ou télévision. Aujourd'hui plus comme ça. Hein? Et tu fais ça. Alors, tu as du place. Maintenant, c'est l'amour au centre et ça donne pour moi, pour toi, pour tout le monde. Maintenant, c'est ouvert. C'est la vie de Jésus.
Dans ce lieu reculé à la campagne, Ernst Zibert dispose d'un jardin secret dont il n'ouvre que très rarement la porte aux visiteurs. C'est là, dans le calme, qu'il se ressource en couchant des couleurs sur la toile. Tu sais, dans la société, comme pasteur, comme un prochain des pauvres, je dois être très actif, toujours. Et ici, je ne peux pas me reposer, parce que ça c'est beaucoup de travail, mais je peux être tranquille. Et tu sais, moi je suis un homme qui aime aussi la tranquillité. J'aime beaucoup cet endroit ici. Donc c'est un lieu qui, du point de vue de votre spiritualité, joue un rôle très important ici. Mais oui, tu sais, je peux entendre, écouter. Et quand tu vois les couleurs, tu entends une langue, on pourrait dire de l'éternel, une langue qui est toujours là. Mais il faut être tranquille pour remarquer qu'il y a des mots, il y a le sens, il y a l'âme là-dedans. Ernst Zibert peint ce qu'il habite, son monde intérieur avec ses luttes et ses joies, les thèmes qui le nourrissent et le renouvellent. Il n'hésite pas à peindre aussi les gens pour lesquels son cœur bat le plus fort. Tu sais, on peut réveiller la force dans la vie d'un homme, d'une femme. Auprès des pauvres, auprès des toxicomanes, justement, auprès des sans-domicile fixe. Justement. Après, ils sont ensemble, là. On m'a dit, les obdachlos de Zurich... Les sans-domicile fixe. Oui, m'ont toujours dit, Didan, tu sais pourquoi nous venons avec toi? Pourquoi nous t'aimons? Je dis, non, dites alors. Ils ont dit, tu crois en nous. Tu sais, ça ne sert à rien quand nous donnons seulement de l'argent, toujours comme ça, comme ça. Il faut donner la confiance aux autres qui sont faibles. Il faut dire, vous êtes quelqu'un, Didan, toi, viens, tu as tes mains peut-être, tu as l'âme, tu as un esprit, tu as l'intelligence, alors fais quelque chose avec ça. Viens avec moi, je viens avec toi. Nous allons tous les deux ensemble dans l'avenir. Et tu verras, ça ira. À 80 ans, Ernst Zibert aspire à un certain repos. Non pour quitter la scène de la lutte contre la pauvreté, mais parce que le poids de l'âge se fait sentir. Même si aujourd'hui, il lui faut plus de temps pour renouveler ses forces, ce n'est pas ce qui empêchera ce passionné de la dignité humaine de poursuivre son combat. Peut-être je suis fatigué. Pas seulement peut-être, sûrement. Et alors, tu sais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, là? Vous êtes fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi? Parce que je suis fatigué, ce sont c'est la force, ce sont c'est la voix de entière, toute dedans, qui vient. Quand je suis actif, quand je suis fort comme ça, quand je dois parler, quand je dois travailler, ça ne vient pas toujours. Mais quand je suis fatigué, tout fatigué, et je prends les couleurs comme ça, et peut-être c'est plus moi-même.
qui travaillent. Là, vous diriez que vous êtes traversé par un souffle? Oui, justement. C'est comme ça. Et quand tu es fatigué, tu ne peux plus être comme ça, ça vient comme ça. Es fließt. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Et j'entends la mélodie de l'Éternel. Et là, vous arrivez à recharger vos batteries, à retrouver l'énergie dont vous avez besoin. Mais oui, justement. Pour poursuivre. Mais oui. Et tu sais, quand je suis à Sunnenek, ou des endroits où se trouvent les plus malades, c'est eux qui me donnent cette voix. Tu as remarqué aujourd'hui, c'est eux qui parlent. Et quand je suis dans la politique, je dois entendre ces voix parce que je peux parler dans le nom des pauvres, des hommes, aussi des riches qui sont tristes, qui ne savent plus où il faut y aller. Alors, comme ça, ça donne la relation. Comme ça, c'est la vie et une vie où je peux être heureux.